C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. Au sommaire, le président du parti Uprona estime que la suppression des quotas ethniques risquerait de semer la peur car leur instauration a stabilisé le pays. Tandis que du côté du parti CNL, le président trouve que le maintien ou la suppression de l'article 289 de la Constitution qui instaure les quotas ethniques n'est pas urgente. Instauration est désormais, depuis ce vendredi, d'une journée nationale baptisée Inyerebuti Day. Le président de la République du Burundi a promis qu'à cette occasion, les meilleurs parmi les jeunes entrepreneurs seront primés. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement a promis qu'il va instaurer une journée nationale dite Inyerebuti Day. Elle sera célébrée chaque année, annonce du président de la République du Burundi lors d'une rencontre avec les jeunes entrepreneurs ce vendredi à Bujumbura. Évariste Ndayishimiye a promis que les meilleurs seront primés. Suivez. Chaque année, nous allons célébrer Inyerebuti Day. Je l'ai déjà institué. C'est à cette journée qu'on va évaluer les meilleurs innovateurs de l'année. Je vais introduire un trophée qui sera décerné au premier innovateur. Nous allons constituer un jury pour la sélection, à ce que celui qui l'aura à la maison lui sert un grand souvenir de l'année et constituera aussi un modèle aux jeunes, même pour les autres générations, qui se souviendront qu'il y avait eu des moments où les gens travaillaient fort. Pour le moment, je suis en train de faire un design d'un trophée avec sa valeur incitante pour que celui qui n'a pas gagné cette année l'encourage à doubler l'effort pour la prochaine. L'instauration des quotas ethniques dans la constitution du Burundi a stabilisé le pays. L'honorable Olivier Nkurunziza, président du parti Uprona, le dit après l'appel lancé à la population pour contribuer dans le débat sur le maintien ou la suppression des quotas ethniques dans la constitution. Le président du parti Uprona estime que leur suppression risquerait de semer la peur au sein de la population. Suivez. Au niveau du parti Uprona, notre constat est que les quotas ethniques ont stabilisé les esprits des Burundais avec le partage de pouvoir dans les postes politiques. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une stabilité. Et on est en train même de songer à penser que les divisions ethniques ne sont plus. Mais au niveau du parti Uprona, c'est un médicament qui était là, c'est une solution qui a été trouvée par ces quotas qui sont dans la Constitution. Une fois supprimés, ça peut provoquer la peur, ça peut provoquer les doutes, ça peut même faire rechuter et faire rebondir encore une fois les crises ethniques au niveau du Burundi. Nous constatons que là où les quotas ethniques ne sont pas imposés, on y trouve qu'effectivement, il y a encore le mono-ethnisme dans les institutions. Alors nous avons peur que, au niveau du pays, si on supprime les quotas ethniques dans les postes politiques, ça reste de donner l'image que le Burundi disait dans les années passées, où on disait que le Burundi est dirigé seulement par les Tutsis pour éviter les peurs, la peur et les doutes, ou de réveiller les démons. Vous voyez, il y a des extrémistes de tous bords qui peuvent profiter et passer par cette faille. Et au niveau du parti, on a nos conseils, okay, ça reste là, ce n'est pas encore temps, ça ne fait rien, ça fait avancer le pays. Nous sommes les partisans de la méritocratie. Parmi tous les ethnies, Hutu, Tutsi et toi, il y a des hommes compétents. Il faut aller chercher des hommes compétents et non des militants. Du côté du parti CNL, l'évaluation sur le maintien ou la suppression de l'article 289 de la Constitution qui instaure les quotas ethniques dans les institutions étatiques n'est pas urgente. Le député Agathon Rwasa, président du parti CNL,
le dit après l'appel lancé à la population pour contribuer dans le débat sur le maintien ou la suppression des quotas ethniques dans la Constitution. Il trouve plutôt urgent d'évaluer les moyens d'éradiquer la discrimination basée sur l'appartenance politique dans la gestion du pays. Je vous propose de le suivre. Si on devrait passer à élaguer cet article de la Constitution, il faudrait d'abord voir d'où émane ce partage du pouvoir sur fond d'équilibre ethnique dans les institutions. Et là, on doit être clair, les accords d'Arusha ont leurs sources dans les conflits, lesquels conflits sont manifestés dans l'exclusion sur fond ethnique. Maintenant, si on a dit pour éviter encore des heurts entre les ethnies, partageons le pouvoir dans telle proportion, est-ce qu'on a fait une analyse, on a fait une évaluation de ces accords d'Al-Shahra pour dire que finalement, il ne serait pas néfaste si on élaguait tout ce qui a trait à ce partage de pouvoir sur le fond ethnique. Alors, je conseillerais la prudence. Je conseillerais la prudence parce que la source de cet article, ce sont les problèmes de discrimination. Si hier on discriminait sur le fond ethnique et qu'aujourd'hui on discrimine sur le fond d'appartenance politique, où est la différence? Le résultat de la discrimination, c'est toujours la crise. Je pense qu'on devrait beaucoup plus s'interroger sur le problème réel qui mine notre société au point qu'on stagne au lieu d'avancer. Cette discrimination, c'est ça qu'il faut traiter tout d'abord. Parce que même si on devrait dire « ok, on ne discrimine pas les Tutsis » et qu'on n'arrore que les Tutsis dans ce parti politique alors qu'il y en a dans d'autres partis aussi, qu'on arrore des Hutus dans ce parti politique alors qu'il y en a dans tous les partis politiques, moi je trouve que c'est ça le problème d'ailleurs. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, se dit choqué de l'arrestation et emprisonnement de 42 Burundais en Zambie. Ils ont été arrêtés entre le 7 et 9 janvier dernier par la police de ce pays, accusé d'entrer sans document de voyage. Le même scénario s'était produit 3 jours avant. Soit le 3 janvier en Ouganda, contre 24 Burundais. Prime Mbarukeye, président de l'organisation, demande au gouvernement de rendre disponibles les documents de voyage pour éviter de tels cas. Suivez-le. Entre le 7 et le 9 janvier 2023, il y a eu vraiment une forte mobilité des Burundais à destination de la Zambie pour chercher de l'emploi dans ce pays. Mais malheureusement, il voulait transiter de la Zambie à destination des pays comme le Mozambique, le Zimbabwe et à destination finale du tunnel de l'Afrique du Sud. Et c'est ainsi que la police zambienne a été inquiétée par ce flux migratoire inquiétant, a procédé à toute une vague d'arrestations de ces Burundais migrants clandestins qui totalise à ce moment 42 Burundais qui ont été arrêtés par la police zambienne sur le sol zambien. Et dont 29 Burundais qui ont franchi illégalement la frontière de la Zambie, et ainsi que 13 Burundais qui s'étaient appelés des Tanzaniens. Pareil phénomène s'est passé même le 3 janvier 2023, où 24 Burundais ont été arrêtés sur le sol ougandais, étant entrés illégalement dans ce pays. Donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONST, où est ton frère, voudrait demander ou proposer au gouvernement de la République du Burundi ce qui suit. Premièrement, de bien organiser le service et à la délivrance des documents de voyage dans les attributions, afin qu'ils puissent les délivrer comme il faut et en temps raisonnable, car plus les demandeurs sont heurtés à des difficultés énormes d'obtention de ces documents de voyage, plus ils commencent à emprunter des voies officieuses au lieu de patienter pour passer par les voies officielles et légales
déjà tracée par le gouvernement. Deuxièmement, de suivre de près la problématique des migrations clandestines à destination de la Zambie, car il se révèle de plus en plus que ces flux migratoires clandestins à destination de ce pays risquent de porter atteinte, si rien n'est fait, à la souveraineté et à la sécurité publique de la Zambie et des pays de destination comme le Zimbabwe, le Malawi, l'Afrique du Sud, etc., à l'instar de la Serbie, et dont le gouvernement burundais a décidé de prendre une décision et que tout le monde connaît. Nous voudrions quand même que cette question aussi de la Zambie attire l'attention, une attention sui generis dans le chef du gouvernement du Burundi pour prendre des décisions qui s'imposent, des mesures qui s'imposent. Et troisièmement, de signer des accords de coopération et d'échange de main d'œuvre entre le Burundi et d'autres pays de destination très convoités par les travailleurs et migrants burundais, et à l'instar justement des accords que le Burundi a signés avec l'Arabie Saoudite, notamment l'Oman, le Koweït, le Qatar, et les Émirats Arabes Unis, Dubaï, et côté Golfe Arabe, mais aussi et surtout entre la Zambie et l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, etc., côté continent africain, pour offrir au Burundi qui désire faire une immigration de travail, d'avoir d'emplois disponibles selon les pays pour opérer aisément un choix multiple et de promouvoir des actions socio-économiques de rétention au niveau communautaire. En actualité internationale, la scientifique franco-iranienne Fariba Adelka est en fait sortie de prison après 3 ans de détention en Iran. Elle était accusée d'atteinte à la sécurité nationale et avait été condamnée à 5 ans de prison. Des manifestations de soutien s'étaient intensifiées pour demander sa libération. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Enfin libre. Après 3 ans de détention en Iran, Fariba Adelka est sortie de prison. Ces derniers jours, les manifestations de soutien pour la scientifique franco-iranienne s'étaient intensifiées. Je pense qu'il faut, garder espoir, mais c'est très très difficile, c'est un exercice très difficile dans le sens où c'est déjà beaucoup trop long. Pour Benjamin, ça fait plus de 2 ans et demi, pour Fariba, c'est encore plus long. On n'a pas d'éléments sur lesquels s'appuyer pour garder espoir, donc il faut... Il faut le garder pour eux, il faut le garder pour nous, pour tenir bon, pour... Ça va arriver en fait, ça arrivera, mais c'est très compliqué de tenir bon, clairement. C'est l'enfer pour tout le monde, je pense. Condamnée à 5 ans de prison en juin 2019 pour atteinte à la sécurité nationale, la chercheuse franco-iranienne, enseignante à Sciences Po Paris, n'ira donc pas au bout de sa peine. Sa libération fait écho à une autre, il y a 8 jours, celle du réalisateur iranien Jafar Panahi, après 7 mois derrière les barreaux. De libération synonyme d'espoir, alors que ce média d'État iranien relayait dimanche dernier la volonté de l'ayatollah Khamenei de pardonner et d'amnistier un grand nombre de prisonniers, notamment des participants au mouvement de protestation qui trouble le pays depuis septembre, et ce, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique de 1979. Le guide suprême de la révolution islamique a accepté de gracier et de réduire la peine de dizaines de milliers d'accusés et de condamnés à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique et du mois sacré de Rajab. Plusieurs dizaines d'Occidentaux sont détenus par le régime de Téhéran. Après la libération de Fariba Adelka, il reste encore 6 ressortissants français emprisonnés en Iran. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique, à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.